J'arrive pas à le tirer dessus, les gars. Si vous tirez sur le chien, je vous tire dessus. Ah, qui m'a parlé là? Le chien, c'est beaucoup bon goût. Bon, vous allez arrêter de toujours nous comment menacer. Comment ça menacez moi, c'est pour manger. C'est un animal domestique. Si vous tirez sur le chien, vous tirez dessus. Mais ce n'est pas un animal domestique, c'est une viande. Attendez, vous comparez ma vie à la sienne? Vous mettez au même niveau. Bon, moi je vais aller chercher. Ah bah je... Non, ça c'est normal, ça c'est... C'est pas marqué dans la constitution américaine. Moi avoir le droit de manger chien, ici. Vous mangerez pas de chien ici, monsieur. C'est pas votre chien, vous, là. J'ai le droit de manger chien. Donc maintenant, vous laissez, vous n'avez pas le droit de me empêcher. Alors je vais vous dire une chose, alors... je suis shérif, j'ai tous les droits dans cette ville. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, mais il faut respecter la constitution américaine. Reviens ici. Si ce chien reste pas entier, je vous tire dessus à tous les deux. Sachez-le. C'est quoi ce pays? Il me compare un chien. Fuck you, c'est quoi ça là? Bah, si tu parles chien, l'homme il est au-dessus du chien. Il y a un restaurant chinois à Saint-Denis. Ouais, c'est ça, ouais. Que ça va? Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Viens, on l'amène vers l'extérieur, le chien. On va ensuite dans ma manger. Bon petit toutou, si gentil. Il a des cibles mouvantes. Il est mignon. Il est mignon, mon petit chien. Oh, il a bon muscle. Il y a du bon gras dedans. Oh, dis donc que tu es beau. Tu vas servir à faire un bon ragoût, toi. Un bon ragoût toutou. beaucoup bon goût. Ah oui, ça va être bien. En plus, nous avoir beaucoup faim. On n'a pas mangé depuis deux jours, petit, deux jours. Alors tu vas être gentil, tu vas nous rendre service, d'accord? Faut l'emmener à l'extérieur de ville. Oui. Continue à le pousser. Allez, viens, petit. Allez, viens. Ah bon, tu veux nous montrer quelque chose, petit toutou? Où est-ce que tu vas nous emmener? Par ici, par ici. Par ici, bien sûr. Oh, lis en lis, ce petit cheval. Et il nous regarde derrière. On l'emmène dans la colline, très loin de la ville. Très loin, très loin. Ils n'ont pas autorité après là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Pas avoir peur. Non, reviens là, petit toutou, reviens là. Regarde, c'est plutôt par là-bas qu'il faut aller. Allez. Regarde, la meuf, elle est toujours là, regardez la fille. Reviens ici. On vient ici, on va faire une petite balade à l'extérieur de la ville. Viens ici, potoutoutou. Potoutoutou. Viens ici. Joli, joli, mais on perd le contrôle. Qu'est-ce que vous faites là? Pardon? Pardon, ma... Non, bah, c'est pas, fait on... audio avec le petit chien, c'est normal, c'est mais normal. Oui, c'est pour le cirque. Oui, faites. Hé, toi pas tirer sur viande à nous. On a commencé en première. C'est ma viande. Viens ici. Il est sous Yougoslav, s'il vous plaît. Pour le malade. Il y a des gens qui viennent mettre une affiche, mais... Normalement, il y a réparé. Ok, monsieur Grosset. Petite pièce. Monsieur, vous n'avez pas un peu d'argent pour nous? On doit aller faire un long chemin à Blackwater. C'est gentil, merci beaucoup. Allez à pied, ça vous fera des pieds. Chez moi, vous n'auriez pas monsieur, une petite pourquoi pièce, le prendre comme ça? Moi, gentil, beaucoup bon oui, goût. Gentil, oui, gentil. Mais pourquoi tous ceux qui ont une étoile jaune sont si avares, bon sang? C'est quoi ces sottises? Vous savez combien on est payé? Ben, certainement beaucoup trop par rapport à ce que vous... Ah, c'est vous, ouais. Vous allez bien? Une petite pièce, s'il vous plaît, une petite, juste une petite. Madame, nous, on doit faire un long chemin, on doit quitter ville. Vous n'avez pas à manger pour nous, s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qui s'est passé à Blackwater, mais cassez-vous. Mais nous demandons juste de l'argent pour pouvoir partir, monsieur, bon sang. Répondez-moi, qu'est-ce qui s'est passé à Blackwater? Ah, on a fait la rencontre des gens gentils avec monsieur Madison. Gentils, les gens là-bas. Oui, les gens à Blackwater sont gentils, ben oui, gentils. Allez les voir, du coup, s'ils sont gentils. Oui, bah, on va y aller, parce que vous pas accueillir bien nous. Eh ben, allez-y.
Et nous ne pouvons pas y aller, nous n'avons pas d'argent pour nous payer le transport. C'est pas... Bah, pas besoin de payer le transport quand vous avez des jambes. Non, c'est trop long, c'est fatigant, on n'a pas le haut, on n'a pas le manger, on n'a pas le cheval. Oh, il y en a marre de ça, il y en a marre. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Allez leur parler. Écoute-moi, jeune shérif, jeune shérif. Mange pour moi aussi, ils sont riches. Ils sont riches, ceux-là. Allez-y, vraiment, ils sont gentils, ils sont riches. Vous pouvez leur demander des sous. Ils ont le cœur sur la main. Mais je suis sûr que vous êtes, vous avez certainement énormément d'argent vu vos tarifs. Alors, bon sang, donnez-nous une petite pièce. Nos tarifs? Oui. Bah oui, vous avez parlé de tarifs, comme quoi vous payez, on me l'a payé, vous, madame. C'est quoi ça? Écoutez, messieurs, vous savez quoi? Cassez-vous. Vous voyez là-bas la toilette percée, là-bas. Vous voyez la toilette en bois. Allez tous les deux devant. J'ai même pas 50 dollars. Regardez, vous asseyez chacun. Monsieur, avec chapeau. Et après, vous fermez les yeux et vous verrez. Monsieur, avec chapeau rouge, là. Donnez argent au lieu de parler comme ça, là. Oui, donnez argent, vous, c'est vrai. Vous allez donner l'argent. Rendez l'argent. Donnez l'argent. Je vous ai pas pris d'argent. Allez, laissez-moi. Allez, vous nous donnez les chouchous. Allez, messieurs, circulez, arrêtez de faire chier les gens. Allez voir à la poste, monsieur. À la poste, allez à la poste. Oui, qu'est-ce qu'il y a à la poste? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme c'est riche des gens qui vont vous donner de l'argent. Ah bon? Oui, il travaille. Ah oui, à la banque, c'est vrai ça? Oui, oui, allez-y. Ok, on va aller. On va harceler les personnes qui ont le moins d'argent du comté. Bah alors, quittez votre travail de merde, c'est pas bien payé, monsieur. C'est pas bien payé. Allez-y, allez-y. Il lance des tags. Le chien, il est où le chien? Bonsoir. Ils n'ont pas la main sur le cœur. Hein. Non, eux gardez l'argent pour eux. Pardonnez à nous. Je comprends pas. C'est pas normal. Ils sont pas gentils, eux. C'est pas bien. Je vais finir par être colère, moi, si ça continue. Vous avez raison, monsieur. Moi, avoir confiance avec vous. Moi aussi, monsieur Lyd. Oh, attendez. Oh! Bonjour, bonjour, petit. Ça, c'est beau comme un goût, le chien. Comment ça va? Tu voulais le salon est ouvert. Bon, attendez, monsieur, il a dit que le salon ouvert, attends, il va donner argent. Enchanté, monsieur. Nous, on va faim, on va manger et boire. Ça, faut aller au magasin juste en face à monsieur Dubois. Non, vous donnez, vous. C'est vous qui devez nous donner l'argent. Donnez l'argent. Vous avez l'argent, monsieur. Ah, désolé, j'ai plus beaucoup d'argent. On nous a dit que l'homme au chapeau marron devait nous donner de l'argent. Oui, c'est un monsieur qui avait un chapeau rouge. Ah bah, il est là, lui. Il a dit venez vers vous pour demander. Ah ben, désolé, monsieur a dû se tromper, je n'ai plus d'argent. J'ai strict minimum, alors. Eh bien, on va vérifier ça, on va rentrer chez vous. Comment ça? Ah bon, l'argent! Voilà, bonsoir, sujet. Bah, excusez-moi, vous voulez boire un petit rhum, les gars? Les enfants, messieurs, dames. Monsieur, soit que vous essayez une table. Excuse-moi, monsieur. Oh, t'as gentil, toi. Ouh. Ouh, joli, joli. Toi, homme noir, joli. Ouh. Qu'est-ce que je peux vous servir, monsieur Dubois? Du coup, ça fera. Ben, vous êtes combien? Vous êtes que deux? On est quatre. Ouais, on est trois. Notre ami arrive un peu plus tard. Ok. Bah, pour l'instant. Gentil, monsieur, madame. Moi, j'ai soif aussi. Pour l'instant, trois roms, et quand leur ami arrivera, tu leur mettras un dé. Vous mettez aussi un verre pour moi. Je voudrais les fraises. Les fraises, c'est bon ça? Bonjour, messieurs, dames, bonjour. 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 Bonjour, nous nous posons la simple question, mon ami. N'auriez-vous pas une petite pièce pour nous, s'il vous plaît? Non, désolé. Ah, non. Oh, c'est dommage. Ah, si, petite pièce pour nous, madame, s'il vous plaît. Ça te fait 3 dollars. Comment ça? Vous apprêtez à m'offrir à boire, là? Donnez boire, alors. Donnez boire. Mais... Faut voir ça avec monsieur. Non. Donnez-nous quelque chose, bon sang, ne soyez pas des rapaces, allez-y. Ouais, fais attention que ce soit pas une balle entre les deux yeux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as menacé, toi, dis donc? Je te demande gentiment de l'argent. Oh, il parle trop, on va pas s'y aller tout de suite ici. Je suis un cas de Shanghai, touchez pas, monsieur. Monsieur Madison, ou alors vous allez avoir affaire à moi. Vous voulez garder, vous voulez mettre là où je pense, mon brave. Vous arrêtez tout de suite. C'est violent, hein? Ils sont les autres? Hop là, le petit rhum. Bon, toi, tu t'en vas avec ton chapeau rouge. Je comprends ce que tu dis, t'es chiant. Alors, va-t'en. Hop là. Alors là,
Allez, un petit rhum ici aussi. Vous allez commencer par l'entraînement, sinon vous allez sortir. Pour monsieur, vous n'avez aucun pouvoir sur nous, vous n'êtes pas chef. Alors, pas que vous, ok? C'est compris? Laissez-nous. Moi, je travaille ici, et vous, vous êtes des clients, et vous ne respectez pas les gens. Arrêtez de crier, s'il vous plaît, monsieur, là, vous cassez la tête. Dites à votre homme de mec qu'il a ferme, alors, bochin. Monsieur, je fais que mon travail, et vous me respectez, s'il vous plaît. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez respecter ça quand la nature elle vous a déjà terminé? Alors laissez-nous tranquille. Pour boire un verre, être tranquille, pas être ennuyé. Et hop là, allez à la vôtre. C'est pas poli ce que vous êtes en train de faire. C'est pas poli, vous êtes des balles polies. Oui, c'est pas poli de déranger les gens pendant qu'ils discutent. Monsieur, on a soif et vous buvez comme ça devant nous, c'est un affront. On va vous affronter maintenant, alors fuck you vous. Eh ben viens dehors. On y va, c'est parti, showtime. Allez, vas-y, je te rejoins dans 5 minutes. Allez-y, bonne traduite.